Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Mathias 288, je me retrouve aujourd'hui avec Voltman 58, bonjour à toi. Yo. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter ma map capture de drapeau, qui est juste ici. Donc, Louis. Ouais. Moi, je propose qu'on aille d'abord, enfin qu'on aille sur ma map ici plutôt, pour qu'on présente la map en volant, puis qu'on fasse un petit gameplay. Est-ce que ça te va? Ouais, ça. D'accord, va. Ça te va. Alors, what, mec, je me vois, what? D'accord, c'est bon. Alors, du coup. Ah ouais, attends, mais je vais couper ma vidéo. Ouais, si tu pouvais couper ta vidéo pour pas... Le strike là, si tu te prends un strike parce qu'il y a une vidéo de Gotha à côté, ça va pas se faire. Ouais. Tu juges pas, tu sais. Ouais. Donc... C'est Gotha, mais c'est pas vraiment le meilleur... Enfin, si pour moi, c'est le meilleur. Chut. Donc, c'est une map dans... C'est une map sur le thème hiver. Il y a le concours quoi? Comme il y a le concours pour avoir notre map à la une en thème avec le thème de l'hiver, moi je me suis dit faire une map capture de drapeau avec le thème hiver. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à présenter à part les bâtiments? Donc ici on a le spawn de l'équipe qui capture. Si on a une petite grange. C'est ça qu'on dit, une grange. Ouais, une grange. Avec des foins, des pneus. On peut monter ici à l'étage et venir ici sniper les gens ou tirer à l'air. Ah, y'a plus de dégâts de chute? Si, y'a des dégâts de chute normalement. Enfin, j'ai pas envie de tester parce que je vais pas mourir. Ici, on a une petite maison. Cobaye. Ok, dégâts de chute. Une maison, on peut pas aller à l'étage, mais on peut quand même aller ici. Donc il y a un petit bureau, une table de dessin, une armoire, des canapés et des télés. Donc ici on peut tout simplement aller sur le tabouret pour pouvoir passer par la fenêtre. Il y a, comme c'est saison hiver, j'ai fait un petit sapin de Noël. Ici il y a le jardin. Donc c'est un endroit assez chiant pour jouer au sniper parce que... Genre on voit que dalle et tout. Ici il y a aussi une pack de spawn pour l'équipe qui défend. Ouais, donc l'équipe qui défend, ils ont des spawns aléatoires. Donc ils ont des spawns ici dans la maison. Ils en ont quelques-uns quand même dans la maison. Vous voyez. Et ils en ont aussi dans l'usine. Donc c'est là où il y a le drapeau. D'ailleurs je crois que celle-là n'est visible, non. Voilà, parce que j'avais vu. Et je crois que j'ai fait le tour de la map. On peut lancer, Louis. Es-tu prêt à faire un petit match de présentation? Ouais. Es-tu sûr? Viens me voir. Où es-tu, Louis? Allô? Faut de quoi, là? On fait une vidéo. What? Hein? J'imagine que t'as mis deux... Ah ouais, ok. Ça fait un de ces trucs, mec, c'est stylé. Hein? On va lancer la partie. On va faire un petit match et je vais... Je vais commenter quand il y aura besoin. Donc avant que tu lances la partie, je vais présenter. Donc ici, mon magnifique code créateur Mathias 280, n'hésitez pas à le mettre. Il force beaucoup hein, sur cette map, si il a beaucoup forcé là-dessus. Ouais. Donc map créée par Mathias 288. Et j'ai été aidé par Voltman parce qu'il a. Il a posé des murs. Au début je voulais écrire map par moi et Voltman. Mais c'est lui qui a voulu. Et attends, avant de lancer, je vais montrer donc type de jeu on peut mettre avec construction et sans construction. Et je vais choisir Louis vu que t'es la star. Et quand on met ça, quand on choisit, ça nous tue et ça nous drop des armes. Donc j'ai rangé mon inventaire. Donc là moi je suis un défenseur, donc l'équipe 2. Et je dois défendre le drapeau qui est ici. Et eux, ils spawnent ici. Nous on a des spawns aléatoires quand on est dans l'équipe de défense et on a 9 minutes de jeu. Donc c'est ce drapeau là que je dois défendre. Donc bon, Louis a choisi sans construction, on pourra pas construire. Et cette map
même si elle est... Allez, je vais te demander ton avis, Louis. Selon toi, c'est une grande ou une petite map? Moyenne. Moyenne, ouais. Ça va encore. Bah, même si elle... Vrai, ça va. En vrai, elle est quand même assez grande, mais elle est pas trop grande. En vrai, ce qu'il faudrait, ce serait... ce qui serait bien sur cette map, c'est... deux équipes de 4, ah, t'as pris le drapeau. Alors... Où es-tu, Votman? Bah, tu n'es pas dans le... Aïe. Ah. Ah oui, aussi, pendant ce combat, vous aurez pu voir que Voltman a lâché le drapeau. C'est genre, on peut lâcher le drapeau pour avoir les armes, parce que quand on a le drapeau, on peut pas avoir d'armes. Donc la technique, c'est juste faut viser avec le drapeau pour le drop. Ah, d'accord, bien joué. GG. Où est-ce que je spawn? Oh, je spawn dans le mur spawn. Le jardin, merde. Ah, tant mieux. J'ai peut-être aller spawn à ta base. Il a spawn à sa base, d'accord. Bah, le jardin c'est juste à côté donc. Oh, ah, bien joué. Ah, j'ai. Merci. Ici aussi, petit truc. On peut monter avec les cartons ici. Genre, si votre main passe par ici, je peux l'attendre. Comme ça, soit on n'est pas comme un bâtard, soit. Juste attendre. Ah, je t'ai même pas vu. Enfin, je t'ai vu à peine. Ah, je suis nul au à la... Le spam. Ah, bien joué. Je vais rien dire parce que... Sinon, je vais commencer. Mais, je spawn toujours dans le mur spawn. Mec, c'est fou. J'adore cet endroit. Le drapeau sera bien. J'ai placé aucun mot. Non. Il a pas de shoot. D'accord, j'ai rien dit. Ah, j'ai pas de shoot hein, J'ai pas. Ça faut que je règle aussi ça. Ah ouais, moi aussi. Toi t'as plus drapeau sur la carte? Non, j'ai plus. J'ai modifié. J'ai ça. Le drapeau mais j'ai plus le défendre. Où... T'as plus le carré jaune, enfin le badge jaune sur la map. Ouais. 5 minutes avant la fin du jeu. Ah oui, aussi on a 9 minutes de temps de jeu à partir du moment où on choisit le mode de construction. Bah vas-y Louis, reste 5 minutes. Prends pas le drapeau, fais ton plaisir. Non, mec, d'où t'as décidé que ça? Là, je suis pas chaud du tout. Là, j'ai pas joué sur PC pendant une heure ou deux. Ah, d'accord. Je m'attendais à ce que ça fasse quelques dégâts. Ah, bien joué. Aussi, ce que je vais faire après, c'est je dois aussi désactiver la réapparition manuelle. Ça dit que les gens ils peuvent reprendre tout leur manuellement. En vrai, attends, j'ai envie de savoir si tu réapparais avec le drapeau en main. Est-ce que ça drop le drapeau ou... Non, ça va pas le dropper vu que... Enfin oui, ça va le dropper vu que quand on tue, ça le drop, donc ouais. Ah bah bien joué. Je t'ai vu passer. Oui. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Maintenant à mon tour de te pulvériser. Pardon. Ça va, tu touches pas trop hein. Il restait 2 minutes et demie mec. Putain. What? Quoi what? Oui, oui mec. Ouais, c'est quand tu lances le jeu. Bon, maintenant à mon tour de te pulvériser comme un vieux sac à caca.
Je range mon inventaire et puis c'est parti mon gars. 9 minutes avant le... Ah c'est trop cheaté mec ici. De quoi? Le spot de spawn. T'es où? Est-ce qu'il prend la même tactique que moi ou pas? T'es dans quel spawn? Dans ma base. Mais le spawn en hauteur. Ah, Mathias Sauvage. Le spawn en hauteur. Dans ta base, mais le spawn. Ah, ok, je sais où c'est. Je sais où c'est quand tu dis dans ta base, mais le spawn en hauteur. Je te vois sur la carte. Bah c'est abusé d'où tu me vois sur la carte. Ah bah oui le drapeau. Mec parfois j'ai envie de crier quand tu me spam. Mais mec c'est bon. Je te mets une balle, je fais. J'utilise même pas la moitié de mon chargeur. Ouais mais tu utilises quand même la PM. Bah ouais. Bah pourquoi tu l'as mise alors? Mauvaise arme. Limite hein. Limite hein, la première balle que tu m'as mis mec. Tu sais qu'il y avait une fenêtre, dans les voitures. Bah oui mais même je vais regarder après le clip. Mathias ce Stromon. Mathias dans les buissons surtout. Et moi sur les voitures. Mec, c'est légendaire comment mon viseur il est sur toi et toutes les balles passent à... Genre, quand tu regardes que c'est ça toi au moins, toutes les balles passent à côté de nous en mode... On veut pas le toucher. Voilà. Nous ça, sommes des balles libres. Yen, bah... C'est pas un animal, c'est pas un être humain. C'est une chose. Respectons les aliens. Aliens, tu vois. Oh, fiston. Il s'amuse. Mais je te vois quand même sur la carte, parce que quand tu lâches le drapeau, il y a un faisceau lumineux, donc... Ah, je l'ai récupéré, il a dit... Ah 5 secondes, c'est pas beaucoup, hein, tu sais. Je crois que c'est 3 secondes, plutôt. Ah, en fait, mec, c'est inversé, c'est quand j'ai le drapeau que ça affiche le drapeau sur la carte, j'ai inversé les canaux. D'accord, 5 minutes avant la fin du jeu. Mais je déconne, là, lui. Je jouais à la poche, alors je me suis dit j'ai le temps de me barrer. Puis je t'ai mis une balle, il a fait. En fait, la pioche là, tu peux oublier, gros. Ah non, GG. Et puis là, tu spawns à côté du drapeau, mec. Oh, t'as de la chatte, je suis dans la maison. Ah ouais t'es le plus loin mec. Enfin non il y en a un plus loin mais ça c'est qu'on joue à plusieurs personnes. Ça, oh non c'est bon. Si jamais tu me rattrapes je suis mort. Ah ça passe. Je suis pas con. Non. Si j'aurais peut-être pas pris des roues, peut-être que ça aurait passé. Bon, je crois que c'est fini. Dans quelques secondes, il va mettre une minute restante. Mec, c'est... Attends, c'est fou, gros. Là, c'est pas ouf. Eh mec, c'est fou.
à chaque fois j'ai l'impression que mon viseur est en plein sur toi. Bah là c'est mort, il faut une minute pour faire l'aller-retour. Allez Mathias. C'est mort mec, c'est mort. Mais mec je spawn dans la maison, tout le temps dans la maison quoi. T'as seconde avant la fin. 10 secondes avant la fin. 5, 4, 3, 2, 1. 2. Je modifie ça. Voilà. C'était le magnifique gameplay de Mathias 288. J'espère que c'est du donjon. Plus que vous avez pu s'amuser sur la map. Et moi je vous dis à une prochaine sans Voltman parce qu'il est trop puissant. Bye.